Donc ici, on va, avant d'aller dans la ferme, mettre des bottes, puisque d'une part c'est mouillé et d'autre part ça permettra d'isoler nos poissons et nos lots des éventuels parasites extérieurs. Voilà, et on va mettre une petite coiffe sur la tête. Donc ici, nous sommes dans une salle destinée à l'affinage, c'est-à-dire le stockage des femelles qui ont des beaux caviars en prévision de l'envoi à l'abattoir chez mes collègues à Turnhout. Nous allons élever les poissons, les sexer, donc on reçoit des petits d'une dizaine de grammes. On va les pousser jusqu'à 2-3 ans d'âge, ils sont vraiment là entre 2 et 5 kilos. On fera le sexage, donc déterminer les garçons et les filles. Les filles restent avec nous, les mâles partent vivants. On garde les femelles encore 10 à 15 ans pour certaines, pour que naturellement elles développent leur caviar. Et tout le jeu, ce sera de sélectionner la fenêtre de tir idéale pour prélever le caviar sur la femelle au bon moment. L'ovule, l'œuf, doit être gros, il doit avoir une belle couleur, il doit avoir une membrane qui est réactive, qui supporte le traitement au sel qu'on va faire et donc qu'il fasse l'effet plopi en bouche, qu'il éclate quand vous poussez avec votre langue sur le palais. Alors, qu'est-ce qu'il a de mieux le caviar belge? Vous avez vu qu'on a différentes variétés ici, donc on a une certaine gamme déjà assez large de produits. Et comme je l'ai expliqué, on essaie de donner le maximum de l'attention sur notre produit pour être vraiment sur un produit uniquement d'exception. On n'a pas cette logique de vouloir vider les bassins pour faire de la place. On ne produit que ce qui est vendu et donc on va garder, je vais dire, le meilleur de la crème pour alimenter le marché.